format. Et on leur montre, on les rend partie prenante. Et alors après, grande fierté, moi, j'imagine comme toi, mais le jour de la rentrée, si je n'ai pas mangé à la cuisine centrale, à la fin, je... Voilà, mais vraiment mais le sens en fait, demander aux gens de changer de façon de travailler, oui. S'ils ne comprennent pas tous les enjeux, si on ne prend pas le temps de leur expliquer, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est quand même... Mais même dans des restaurants privés, quand on avait mis en place le premier tri des déchets biodégradables, voilà, des déchets organiques, dans les restaurants, il y avait une expérimentation dans le centre de Paris. Et bien toutes les personnes qui étaient en cuisine, ceux qui faisaient les bouchages des légumes, etc., tous, à partir du moment où ils ont fait cette collecte de déchets spécifiques, ont trouvé un intérêt, mais complètement différent, au travail qu'ils faisaient avec une vraie fierté. Et moi, je me souviens des témoignages de toutes ces personnes, là c'était le secteur privé, mais c'était impressionnant. Bien sûr que c'est dans ce rapport-là qu'on doit pouvoir reconstruire des choses, reconstruire des liens de confiance entre les territoires, entre les producteurs, entre les villes et les campagnes, parce que tous ceux qui veulent nous opposer en permanence, voilà, ils ne cherchent pas des solutions, ils cherchent la faute. Et nous, on travaille à bas bruit sur nos territoires, sur des durées de temps longues. Mais ça marche. Là, ce qu'on a fait avec Agri-Paris, ça marche. Et tout le monde s'y retrouve. Et il y a une dimension aussi, c'est l'absentéisme. Ouais, quand vous mettez du sens, dans le travail en général, c'est sur les cantines, l'absentéisme s'effondre. C'est un élément quand même qui témoigne de la fierté de la part des personnes. Vous êtes venu à Romainville. Oui, voilà. Voilà. Et on a un exemple flamboyant là-bas. Et un sourcing incroyable. Ils sont à 65-70% de l'Île-de-France. Enfin, de plus, donc c'est possible. Voilà. Longue vie, j'imagine.
Il y a évidemment plusieurs enjeux. Je vais aller très vite. Allez-y, je vais aller très vite. Désolée, je vais vite. C'est un peu le jeu du salon comme ça. Il y a plusieurs enjeux. Il y a celui de l'eau. L'humidité. On est en lien avec Haute Paris. On nous a sollicité. Voilà. C'est parce vous qui m'avez sollicité l'autre jour. Ouais, ok. Voilà. Ok, voilà. Sur la question de l'eau. On ne va pas pouvoir donner en détail, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle aussi sur cette question de préservation de la qualité de l'eau, qui est intrinsèquement liée aux pratiques agricoles d'une part. L'autre point, mais on en avait déjà parlé, je pense, c'est la question de la restauration collective, dont la commune, la collectivité, le Grand Paris, je ne sais pas comment c'est, est responsable. Voilà, l'application pleine, entière, ambitieuse de la loi Egalim, c'est des vrais leviers aussi. On est déjà à 2 fois Egalim. Je sais, on est à 54%. On est déjà à 2 fois Egalim. Et on va continuer, et on a même élargi notre espace Martigues-Paris. On a maintenant la Seine-Saint-Denis, on a Rouen, le Havre, c'est-à-dire on est vraiment sur l'ensemble de la Seine et avec Lyon aussi. Donc on essaie d'élargir et d'entraîner avec nous aussi d'autres collectivités sur leur restauration collective. Et l'idée pour nous, c'est que d'abord c'est un débouché pour les agriculteurs, c'est une stabilité de revenus parce que nous on n'est pas la grande distribution, on est une collectivité publique. On veut que nos enfants aient des enjeux bien, mais on veut aussi évidemment que vous puissiez vivre de votre travail. Et en fait, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. La proposition, là, cette grande discussion qu'on a pour plancher, c'est-à-dire de vraiment pouvoir couvrir les coûts de production, il faut le relier à d'autres mesures. Ça va vraiment être difficile à tenir, mais avec des engagements forts en restauration collective, de s'approvisionner française sur ces bases-là. Il va falloir que tout le monde, pour le faire vivre, pour ces déterminations. Le territoire et les collectivités, et ce qu'on disait, voilà, tous ces discours très clivants, les ruraux, les urbains, la capitale et le reste du pays, ça va quoi, il y en a marre, nous on bosse comme des brutes depuis des années pour essayer justement de faire en sorte qu'il y ait un modèle vertueux. Quand on le fait, quand il y a de la volonté politique et quand il y a de la confiance qui s'établit aussi avec les producteurs, parce qu'on garantit des prix, on garantit des débouchés, et bien ça marche, ça marche. Nous, on a démarré en 2014, tout ce travail-là, vraiment. D'ailleurs, c'était parti d'un salon de l'agriculture et d'une discussion aussi avec la Fédération paysanne qui m'avait dit ne faites pas du gadget sur Paris. J'avais dit ok, mais aidez-nous à voir comment on peut structurer un travail qui ne soit pas dans le gadget, qui nous aide nous, parce que nous, nos gamins mangent bio, mangent bien, et puis nos officiers aussi. Et on ne veut pas que ce soit au détriment de nous qui travaillons la terre, c'est pour nous. Ça marche. Oui, c'est vraiment. Donc c'est plutôt source d'espoir de dire que ça marche. Le problème, c'est faire passer le message qu'il y a quelque chose qui peut marcher de cet ordre-là, c'est compliqué. Il n'y a pas grand monde qui a envie de l'entendre. Du côté des médias, des pouvoirs nationaux, ils ont des missions nationales, européennes aussi, c'est normal parce qu'une grande partie des choses se règlent à Bruxelles. Mais quand même, il y a une partie de l'action qui se règle dans les alliances de territoires très concrètes à partir du débouché qu'est notamment la restauration collective. Avec des collectivités moins favorables ou qui ont peur. Vous renseignez-vous sur ma cantine justement des fournisseurs et là on vient sur des choses un peu techniques là. Mais en fait surtout on organise les rendez-vous de la restauration collective durable. Donc, il y a vraiment un lien direct entre les producteurs et les gestionnaires. Puis, tout au long de l'année, nos gestionnaires sont régulièrement en contact avec les producteurs. Donc effectivement. Justement, tout le travail qu'on fait, c'est bien aussi, tout le travail qu'on mène, c'est d'arriver à faire accéder des petits producteurs sur du circuit court et de proximité et directement en lien avec le gestionnaire. De donner à savoir et cette expérience de mutualisation sur comment on promener des appels pour que ce soit possible. Nous, on a des expériences plutôt à l'inverse sur le type de métropole, Limoges et tout. Finalement, et ça n'a pas réussi alors qu'il y a une expérience à Calais avec le Capitole. Je pense qu'il y a un travail à faire entre
Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment c'est sortir de la logique habituelle. Je vous laisse, je pense. Ouais. Mais en tous les cas, voilà, je voulais vous dire d'être passé soutien et vraiment à 100%. Ouais, là aujourd'hui, c'est la place. Mais on a rendez-vous. Oui, on a rendez-vous. Oui. Merci d'être passé. Désolé. Merci, au revoir. Ouais, au revoir. Et du coup, on sait s'appeler et voilà, organiser. Oui, merci.